Hello, donc aujourd'hui on est jeudi, ça fait un moment que j'ai pas vlogué, enfin en ce moment je vlog pas tous les jours parce que j'ai pas grand chose à vous raconter, n'est-ce pas? On a un petit cul avec une balade. Ce soir on va manger chez mon frère, donc il y a ma mère et mon grand-père qui sont arrivés hier chez mon frère puisque mon grand-père a perdu un de ses frères. Donc, excusez-moi, mon chéri m'a appelé, c'est un peu la course. Donc je vous disais, dans la famille de mon grand-père, il a 14 frères et sœurs en fait. Ils étaient 15, donc il en a qui sont décédés malheureusement déjà. Et là, le plus jeune de ses frères, donc qui a l'âge à ma mère, donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence d'âge en fait. C'est normal, 15 enfants. Mon grand-mère, elle les a pas fait non plus tous les 9 mois. Un des oncles à ma tante que je connaissais à peine est décédé donc d'un cancer. Malheureusement, donc du coup, j'irai pas l'enterrement parce que comme je vous dis, je le connaissais pas spécialement et depuis que j'ai perdu mon beau-père et ma grand-mère, enfin ma grand-mère, j'ai malheureusement pas pu assister à l'enterrement puisque j'étais enceinte jusqu'au cou, mon col était ouvert, enfin j'avais pas le droit d'aller en Bretagne, bref. Je ne suis pas prête du tout à aller à un enterrement en fait, tout simplement. Donc voilà, je n'irai pas, mais ma mère et mon grand-père vont y aller, donc du coup ils sont venus en région parisienne. Et l'enterrement sera à Saint-Rémy, enfin pas loin de Saint-Rémy où il habitait. Donc c'est quand même à presque 200 km d'ici, donc c'est pas à côté. Et ce soir du coup on va manger chez mon frère pour voir mon frère, ma mère et mon grand-père. Donc là je vais changer Raphaël parce que on est parti ce matin, il y avait un brouillard de ouf, il faisait tout gris. Et là il fait une chaleur, je vous raconte même pas, donc Raphaël est en pantalon, donc je vais le mettre en short. Ensuite mon chéri va pas tarder à rentrer, on va aller au grenier parce que j'ai mis toutes les fringues pour le futur bébé de ma sœur au grenier et ma mère en fait va tout ramener en Bretagne parce que moi j'aurais jamais la place de tout ramener entre Raphaël, la chienne et comme on est chargé à chaque fois comme des bœufs pour aller en Bretagne. Donc du coup je vais lui ramener le plus possible ce soir et dimanche on y retourne, on leur déposera Raphaël pour quelques jours. Donc on en ramènera aussi dimanche et du coup voilà, je vais me changer aussi parce que je suis en jean et j'ai extrêmement chaud. Et je voulais vous montrer, ce midi je suis passée vite fait à mon point relais parce que j'avais deux colliers à récupérer que j'ai pris sur Vinted. Donc j'ai pris une petite barboteuse comme ça, je vous retourne. Donc je vous retourne, c'est plus simple. Donc une petite barboteuse comme ça, Disney, donc en 24 mois, Nemo, elle est trop mignonne. Voilà, et il y avait également celle-ci, j'aime trop le col, ça fait trop petit mec. Hein. Voilà, pareil, en 24 mois, voilà, elles sont en super bon état. Je crois que j'ai payé 3 euros les deux ou 2 euros les deux. Ensuite, je suis passée à la pharmacie parce que du coup, hier soir, j'ai été voir le cardiologue. J'ai un nouveau traitement pour mes extrasystoles. Enfin, j'ai, oui, un traitement. Je vous en parlerai plus tard. Et du coup, j'étais à la recherche des tétines DBX pour les biberons MAM qui sont en rupture dans ma pharmacie. Et sur le Clear Drive, d'habitude, je peux les prendre également. C'était en rupture. Donc là, je les ai trouvées dans une autre pharmacie. J'ai pris les deux qui restaient. Donc c'était 1 euro plus cher que dans ma pharmacie, mais j'en avais besoin. Ensuite sur Vinted, pareil, j'avais eu à 3 euros, on va pas bien voir parce que comme ça, ça ressemble à rien. Un pantalon comme ça, fluide, motif zèbre, donc qui est resserré en bas, élastique à la taille. J'adore, donc je vais le laver et je vais pouvoir le mettre. Je suis à fond dans les pantalons fluides comme ça pour cet été. Ensuite, j'ai reçu gratuitement donc de la part de Schwarzkopf. Hop, j'espère qu'on va bien voir. Octoly, c'est le avant-shampoing en fait. Donc c'est de la marque, enfin c'est la gamme Biologie, je sais pas trop comment ça se dit. Il fait combien celui-ci? Il fait 50 ml. Mel l'a également eu et elle m'a dit que c'était une tuerie. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà, c'est en flacon comme ça. Je pense que c'est une mousse. Je vous dirai ça quand je l'aurai utilisé. Je pense que je vais l'utiliser demain. En tout cas, merci beaucoup à la marque de me l'avoir envoyé. Je suis trop contente. Et je vous dis, Mel, elle a adoré. Donc, il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas. Et ensuite, j'ai également reçu gratuitement de la part de La La Lab. Donc, je suis trop contente parce que vous connaissez mon amour ou pas pour les photos. Donc, du coup, dans deux petites pochettes comme ceci, avec toujours une petite feuille comme ça d'origami. Donc là, c'est pour faire un dinosaure. Toujours la petite feuille à gratter. Et là, c'est des petites photos, donc plus petites que la dernière fois. J'adore. Bon, en faisant le montage, je me suis rendu compte que mon téléphone avait coupé lorsque je vous montrais les petites photos. Donc je vous les montre et je vous les collerai
juste à la suite de ce que je vous parlais. Donc j'ai reçu des petites photos de la lave, donc que j'ai reçues gratuitement. Donc merci mille fois à la marque et à Octoly parce que je suis trop fan de leurs photos. Vous voyez, c'est trop mignon. Voilà, donc je vais accrocher ça. Je pense avec des petites pinces sur une corde. Je sais pas trop comment je vais les mettre, mais j'adore. J'adore, j'adore. Et pour offrir, je trouve ça génial. Donc, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos mon code promo et ça vous fait 5 euros de réduction, il me semble, sur votre commande. Donc, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça vaut carrément le coup. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Hello, hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi et c'est la fin de journée et c'est le week-end! Oui, je suis contente, je pense comme tout le monde quand c'est le week-end, c'est le top. Je vais aller chercher mon trépied. Bon, ça y est, je vous ai posé, je suis avec mon petit cœur qui est en transe, qui a des crottes de nez de partout, j'ai récupéré la crèche, je lui ai même pas encore passé un petit coup. Je le laisse un petit peu arriver, je vais lui enlever ses chaussures. Donc du coup je vous retrouve, vous n'êtes pas droit mais c'est pas grave, en transe. Je vous disais, on est vendredi, il est 17h20, je suis rentrée, c'est le week-end et c'est trop cool. Ce midi pendant ma pause je suis passée à Leclerc parce que je voulais absolument faire les promos beauté. Et bah j'ai pas craqué sur beaucoup de choses, à mon grand étonnement je pense que je recraquerai quand même pour des shampoings parce que j'aime bien me faire ma réserve. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je suis passée également chez Orchestra, là j'ai reçu des commandes et hier on est passé à Kiabi, donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite chez Orchestra j'ai pris un lot comme ça de 3 body Marcel parce qu'avec les températures là un body manche, même manche t-shirt plus un t-shirt, ça fait trop. Donc il y a 3 couleurs, c'est un lot de 3, il y a un bleu, un blanc et un gris. Donc moi j'ai la carte, donc ça me revient à 6 euros et pour ceux qui n'ont pas la carte, 12 euros. C'est pour ça que la carte ça vaut vachement le coup. Ensuite j'ai pris un autre lot comme ça de body. Franchement c'est de super bonne qualité les vêtements Orchestra, enfin je trouve. Donc pareil avec la carte 8 et quelques et sans la carte, bah, le double, hein. Donc j'ai tout pris en 23 mois puisque ça y est, il commence à passer en 23 mois. Donc c'est surtout un peu marin. Oui. Donc je vais tout passer en machine. Voilà. Et celui-ci. Du coup, comme j'ai pas trouvé mon bonheur dans les chaussures sandales, j'ai pris les petites chaussures en toile comme ça. Toutes simples. En 21, donc je pense que ça va être un peu grand. Faut que je l'essaye. Mais le 20 paraissait petit alors que le 20 c'était 12,5 cm et le 21 13 cm. Donc voilà, 4,90 avec la carte, donc ça vaut carrément le coup. À scratch, il a des petites Stan Smith mais qui sont encore un peu grandes. Ça c'est en toile, on est d'accord, ça maintient pas le pied donc c'est pas bien. Mais à défaut voilà, de mettre les grosses chaussures montantes et tout, c'est une galère. Ensuite, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, donc j'ai commandé sur Bébé Boutique. C'est une appli que j'ai sur mon portable qui est top, qui vend en fait c'est des ventes privées que pour les bébés, j'adore. Donc on lui avait acheté, je vous avais montré dans un précédent vlog, des chaussons en cuir de la marque Mejale je crois, et on en a perdu un, hein. Impossible de remettre la main sur un des deux chaussons, on a tout retourné, impossible de les retrouver. Du coup il y avait une vente privée Robiz, donc qui est à la base la marque des chaussons en cuir, mais qui coûte 40 euros la paire de chaussons, donc il est hors de question je mette 40 balles pour des chaussons. Et là, dans toutes les paires qui étaient jolies, c'était en rupture. Donc j'ai pris une paire de chaussons que je n'aime pas du tout. Mais c'est tout en cuir, semelle en cuir, et c'est ce qu'il lui fallait. Donc on reçoit ça dans une boîte comme ça, aimantée. Je ne sais plus combien je les ai payés, je vous mettrai le prix ici. Mais ça valait le coup, mais moi perso, je suis pas fan. Bon après, c'est pas non plus dégueulasse, dégueulasse. Mais voilà, c'est pas du tout mon style. On sent bien le cuir en tout cas. Donc voilà, à scratch, pareil, j'ai pris du 21 il me semble. Donc voilà, avec marqué Robis dessus. Donc ça c'est des chaussons que je vous conseille à 1 milliard de pourcents. Ensuite j'ai reçu gratuitement donc de la marque Remington via Octoly un lisseur pour les cheveux. Donc autant vous dire que quand j'ai fait la demande je me suis dit ils vont jamais m'accepter. J'étais trop heureuse quand ils m'ont accepté. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est le soin brillance intégré, lisseur, shine, thérapie, va jusqu'à 230 degrés. C'est des plaques en céramique et il y a un écran LCD. Donc ça, je vous montre comme ça, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer, mais je vous montrerai plus en détail quand je me lisserai les cheveux avec.
Donc Remington, c'est une marque que j'ai connue il n'y a pas longtemps, puisque à mon anniversaire, je vous raconte un petit peu ma vie. Je voulais absolument une tondeuse bikini et j'ai demandé à ma mère qu'elle me prenne la Remington, je vous la montrerai également plus tard, qui est magique. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me rasais en fait en bas et je fais tout au rasoir, les jambes, les aisselles, le maillot, etc. Et le maillot, quand ça repousse, ça gratte un truc de malade. Et avec cette tondeuse là, bah autant vous dire que ça ne gratte absolument pas quand ça repousse. Donc la révolution, je me dis pourquoi j'ai attendu autant d'années avant d'avoir ça. Donc j'en suis mais archi contente. Donc voilà, j'ai découvert la marque Remington il n'y a pas longtemps. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait ce lisseur là sur Octoly, je me suis dit j'aimerais beaucoup tester également leurs produits pour les cheveux. J'ai chaud. Donc à l'intérieur on a la petite housse pour le ranger et il se présente comme ceci, donc il est blanc, effectivement on a un écran LCD, donc il y a la prise et c'est bien des plaques en céramique. Voilà, donc à tester, je vous dirai, il a l'air très bien ma foi, donc je vous en dirai des nouvelles, voir s'il abîme pas les cheveux. Bon, je sais que les plaques en céramique c'est carrément mieux pour les cheveux. Donc merci beaucoup à Remington et à Octoly pour m'avoir envoyé ce produit. Et je vous dis, je vous en parlerai très rapidement dès que je me lisserai les cheveux. Ça va me motiver à me lisser les cheveux parce qu'en ce moment, vous voyez, je les attache tout le temps. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'on a pris à Kiabi. Donc c'est ma mère qui l'a pris, elle avait de l'argent en fait sur le livret de Raphaël. Donc ça sort du sèche-linge, ça sent trop bon la lessive, c'est un truc de ouf, j'adore cette lessive. Donc tout d'abord on m'a pris un petit t-shirt comme ça, j'adore les couleurs, c'est trop mignon. Donc j'ai tout pris en 24 mois. Avec ce t-shirt là, donc c'est dans les mêmes couleurs, donc on les mettra ensemble, j'adore. On a pris ce short là, on a pris que des shorts, enfin des trucs d'été hein. J'adore, je trouve ça trop mignon. Ensuite deux petits Marcel, donc un comme ça. Voilà, pour appeler la Bretagne. Un gris comme ceci, donc ça c'est des basiques. Et ce petit short là, qui est trop mignon aussi. Franchement, Kiabi font des trucs trop beaux pour les enfants. Kiabi Orchestra, j'adore. Pour un petit peu ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, je vais aller changer Raphaël parce que en fait il fait super chaud. Mais tout à l'heure, ça a pété, il a plu, donc du coup, il s'est assis dans l'herbe à la crèche, donc il a le cul mouillé. Donc, je vais aller le changer, et puis, moi, je vais ranger tout ça, je vais lui essayer ses chaussons et ses chaussures, voir si ça lui va. Et puis, je vais aller faire tourner une machine, puisque j'ai des fringues à laver. Hello, donc je vous retrouve derrière, vous voyez, de dos, mon chéri, qui est sur l'ordinateur. Donc, on est toujours vendredi, on a mangé, Raphaël est couché et là je viens de me faire les ongles, je viens de me faire le vernis semi-permanent. Je vais vous montrer ça avec le flash dans l'autre sens parce que là vous ne verrez rien. Je suis dégoûtée, je me suis pété un ongle quoi, trop laid. C'est pas grave, je vous montre ça tout de suite et après on va, je vais aller me démaquiller. On dirait que j'ai la peau qui brille, c'est la lumière qui est au-dessus de moi. Et ensuite on va se regarder la saison 2, enfin déjà les premiers épisodes de la série Certain Reason Why, avec mon super accent comme vous pouvez l'entendre. Et puis, voilà, tranquillou, soirée tranquillou. Et puis demain on a 2-3 choses à faire, donc on se retrouve sûrement demain. Et là je vous montre mes ongles. Donc voilà pour mes ongles, du coup ça brille de mille feux. Voilà. Donc pour celles qui se posent la question, enfin je sais pas si on va voir, c'est effet caméléon. Ça fait des reflets bleus. J'ai un petit poil là. Bref, donc ce que j'ai utilisé comme vernis, c'est un vernis noir de la marque Saviland qui vient de chez AliExpress. Bon, ça c'est les paillettes en l'occurrence, donc c'est le 804. En fait, vous mettez le noir qui est le 800. On voit pas, mais faites-moi confiance, c'est le 800. Vous mettez une première couche de noir comme ça, ensuite les paillettes ressortent bien. Donc ça, c'est l'effet caméléon qui fait l'effet bleu comme ça, pailleté. Voilà, c'est super joli, je kiffe. Je kiffe, ça va pas trop avec la saison, enfin si, des paillettes, mais j'ai plus envie de rose, couleur un petit peu estivale. Mais mon chéri a choisi celui-là, donc j'ai mis celui-là.
Et en top coat, j'ai mis le Venaliza top coat que j'adore. Donc ça, c'est des vernis semi-permanents qui viennent de chez AliExpress. Je vous les adore, comme je vous disais la dernière fois. Et l'ancien, je l'ai gardé 2 semaines et je l'ai enlevé parce qu'il commence à s'écailler au bout. Parce que voilà, à force de faire la vaisselle, avoir les mains dans l'eau, etc. Mais sinon, on voyait juste la repousse, voilà. Donc, ils sont top. Voilà, voilà, à plus tard. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi. Ce matin, j'ai dormi, ça m'a fait du bien. Hop. Et ensuite, on a laissé Raphaël dormir, enfin faire la sieste, tout ça. Et après la sieste, on est parti à Leclerc, donc on avait besoin de quelques petites bricoles. Et du coup, on a racheté des trucs pendant les promos beauté, parce que mon chéri avait besoin de lame de rasoir, etc. Donc j'ai tourné carrément un haul promo beauté. Leclerc, c'est plus simple. Et ensuite, on est passé chez Orchestra, parce qu'il fallait que je change les chaussures que j'avais pris à Raphaël hier. Et il fallait que je prenne un petit ensemble pour le fils de mon cousin, qui est en fait le cousin de ma mère, mais qui a mon âge, donc c'est mon cousin. Demain, on va manger dans ma famille, et du coup, je vais le revoir, je suis trop contente. Ça doit faire genre 10 ans que je ne l'ai pas vu, enfin, ça va être trop cool. Mauvaise nouvelle de la journée, notre machine à laver a rendu l'âme. Donc on pensait que c'était la courroie parce qu'elle s'était enlevée, donc mon chéri l'a remise, sauf que ça n'est sort plus du tout. Je suis dégoûtée, mon linge carrément est rempli de lessive, trempé, mais vraiment trempé. Donc je suis dégoûtée, bref, donc demain on va aller acheter une nouvelle machine. On ira avec mon père, comme ça il aidera mon chéri à la porter. Et demain on laisse Raphaël à ma mère pour quelques jours, donc du coup on aura plus de place dans la voiture. Bref, là ensuite je vais aller préparer à manger à Raphaël. Je suis en train de ranger justement les promos beauté. Parce que c'est bien beau d'acheter, mais il faut ranger. Hello, donc aujourd'hui, je vous retrouve, on est mardi. Donc ça fait longtemps que j'ai pas pris de téléphone. Maintenant, on dirait que je suis maquillée de ouf. J'ai pas mis de fond de teint, ni de bébé crème, rien. J'ai juste mis de la poudre parce qu'il fait... Bon, il a plu toute la nuit et tout, mais il fait quand même chaud. Je me suis un petit peu maquillée dans les tons de mon haut. Ça change du nude marron, tout ça. Bref. Là, je vais déjeuner et ensuite, je vais partir au boulot, comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je me suis lissé les cheveux avec le lisseur Remington. Bon, là, je les ai parfaits ce matin. Ils m'ont très bien lissé les cheveux, ça ne me les a pas abîmés, rien du tout. Bon, après, je l'ai fait une fois, donc à voir avec le temps. Et je vais recevoir également un lisseur boucleur, donc j'ai hâte de le tester. Donc voilà, mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils ne poussent plus. C'est un truc de ouf. Je vais vous poser parce que ça me fait mal. Ça va pas tenir. Bon, je vais vous tenir. Donc aujourd'hui, je travaille. Ce soir, il y a ma mère, mon grand-père et mon frère qui viennent nous ramener Raphaël parce qu'on leur a laissé dimanche. On a passé un week-end, un bon week-end. J'étais avec... dimanche, on a été manger chez mon oncle et ma tante. Donc j'ai vu mes cousins, enfin mon cousin, ma cousine que je n'avais pas vu depuis... au moins 10 ans, donc ça fait trop du bien, c'était trop cool, c'était comme avant, enfin, trop bien. J'ai vu leur petit baby, en plus j'étais trop contente. Et du coup, on a laissé Raphaël dimanche à ma mère et il nous ramène ce soir parce que ma mère repart en Bretagne avec mon grand-père. Et du coup, je voulais vous parler de... En fait, maintenant, ce que je vais faire dans... Peut-être pas tous mes vlogs, mais dans certains de mes vlogs, vous parler d'une chaîne coup de cœur, en fait, d'une chaîne YouTube que je regarde ou que j'ai découvert il y a longtemps ou pas longtemps, mais que je veux vous partager. Donc pour ce vlog là, je vais vous parler de Didi Beauty. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, bien évidemment. Donc c'est une jeune femme qui fait des vidéos. Logique, Mélanie, c'est le matin, ne m'en voulez pas, qui fait des vidéos donc sur la beauté et sur tout ce qui est bullettes. Son et ses bullettes sont juste magnifiques, franchement c'est un truc de ouf. Elle a également une page Instagram que je vous mettrai en barre d'infos où elle montre en fait les photos de ses bullettes. C'est trop beau ce qu'elle fait, enfin, franchement chapeau à chaque fois, je me dis mais waouh quoi. C'est magnifique. Elle montre également des box Yves Rocher, des hauls action. Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. C'est une fille simple comme j'aime en fait, sans chichi, sans voilà.
Et j'adore regarder ses vidéos. Donc je vous invite grandement à aller découvrir sa chaîne et puis à lui laisser des petits commentaires. Je pense que ça lui fera très plaisir. Donc voilà, Didi Beauty, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Du coup, là, je vous dis, je vais déjeuner et après, je vais partir au boulot parce que je suis pas trop en avance, même si j'ai pu dormir un peu plus longtemps parce que j'ai pas Raphaël, justement. On dirait que mes sourcils sont orange. Mais non, je vous assure, en vrai, c'est pas comme ça. Bref, hier, j'ai commencé à tondre un petit peu le jardin, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir, un truc de ouf, il y a eu un orage de malade. À 19h30, j'avais rendez-vous chez le cardio, donc j'y suis allée, je me suis pris l'averse de dingue. D'ailleurs, il m'a mis sous flécaïne pour mes extra-systoles, pour celles qui connaissent un petit peu. Et ça fonctionne très très bien, parce qu'avant, je faisais extra-systole sur extra-systole, genre... Enfin, ça s'arrêtait pas en fait, j'en faisais une à la suite, les unes à la suite des autres. J'ai vraiment du mal à parler. Et là, hier, il m'a fait un ECG, j'ai eu une extra-systole. Donc, ce qui est quand même impressionnant, le changement. Par contre, j'avais 10 de tension, donc il m'a dit reposez-vous. Bon, ça a pas de lien avec le traitement, mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis crevée. Pourtant, il commence à y avoir du soleil, je comprends pas. Normalement, quand il commence à faire beau, on recharge les batteries. Moi, je suis crevée. Donc voilà. Et hier, je voulais me coucher tôt, sauf que j'ai pris en photo toutes les choses que j'ai à donner sur le groupe de dons. Donc du coup, bah, je ne me suis pas couchée tôt. Voilà. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi. Hier soir, on a récupéré Raphaël, donc ma mère est venue. Voilà, il est là, on entend bien sûr. Je vous disais, hier, Raphaël est revenu, donc mon frère, ma mère et mon grand-père sont venus manger. À la maison, j'ai fait très simple, j'ai fait des œufs cocottes au cookie dough. Il faudrait que je vous montre la recette parce que c'est vraiment tout con et en entrée c'est trop bon. Et en plat, j'ai fait des petites pâtes carbo, voilà, tout simple. 5 minutes au cookie dough, basta. Sinon, bah, ma mère et mon grand-père repartent demain en Bretagne. Je suis triste, surtout que je vais les revoir qu'au mois d'août. J'ai vraiment hâte parce que ma sœur est enceinte, ça commence à bien bien se voir. On a eu la confirmation hier qu'elle attendait une petite fille, donc je suis trop trop contente. Une petite pisseuse dans la famille, c'est trop cool. Bon, du coup, je peux pas lui donner des vêtements de Raphaël, mais du coup, je vais pouvoir me lâcher pour les petits achats. Bref, j'ai déjà validé des trucs sur mon panier AliExpress. Bref, 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 j'ai très chaud, je pense que ça se voit. Le matin, on part Ikai dans la journée, il fait 30 degrés. Mais c'est gris. En fait, il fait très très lourd. Bref. En ce moment, ça n'arrête pas de péter, il y a des orages de partout. Sinon, aujourd'hui, donc boulot. Après le boulot, je suis passée à Action parce qu'il me fallait encore des boîtes de rangement pour mettre les vêtements à Raphaël qui sont trop petits, sachant que je lui ai enlevé son tour de lit parce qu'en fait, il mettait sa tête dessus. Le tour du lit faisait ça de hauteur. Donc, du coup, j'ai décidé de lui enlever. Il se cogne un peu la tête contre le lit, mais bon. Voilà. Sinon, je vais tourner un haul Action de ce que j'ai acheté après, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de haul Action. À chaque fois, je les mets dans les vlogs, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde mes vlogs. Donc voilà, je voulais vous montrer, j'ai reçu des colis de Doctolib. Je suis trop contente. J'ai reçu un produit de chez Mercy Andy, mais je voulais vous montrer le carton. Genre, coucou, et à l'intérieur, PS, on t'aime. Alors, j'adore. De toute façon, j'adore les petits mots de Mercy Andy. Il y avait ça à l'intérieur. On avait une petite carte et le chaton. Voici comme promis nos bébés et un peu barré, beaucoup d'amour. Bisous. J'adore, je trouve que c'est, je sais pas, les attentions, elles sont trop mignonnes. Et on a des petits, je pense que ça doit être des autocollants, merci Andy, enfin voilà, j'adore. Et j'ai reçu donc un gel antibactérien qui est le Lollipop. Voilà, j'adore les gels antibactériens, merci Andy, dedans il y a des petites billes. J'ai trop hâte de le mettre dans mon sac parce que ça part super vite, surtout quand on a un bébé. Oh, ça sent trop trop bon. Ma senteur préférée, c'est Hello Sunshine. Donc je pense que si c'est encore dispo, je vais demander le gel antibactérien Hello Sunshine et la crème pour les mains. Car je l'ai terminé. J'ai des petits pots de terminer à vous montrer. D'ailleurs, je vous montrerai après. Mais j'ai terminé la Hello Sunshine. Je suis trop triste. Je l'adore. Donc si elle est dispo sur Octoly, je la demanderai. Ça, c'est des produits qu'on peut retrouver sur le site de Sephora et sur le site de Mercy Andy, bien évidemment. Je vous les conseille. Enfin, franchement, ils sentent trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, merci à la marque de m'avoir envoyé ça gratuitement. Et merci à Octoly, comme toujours. Et ensuite, j'ai également reçu
Raphaël est content aussi. Hein. J'ai également reçu, alors c'est un autre produit de chez Lancôme. Je vais vous montrer la boîte si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Donc Airplate, je sais pas si je le prononce bien. Donc en fait c'est un lisseur boucleur, à ce que j'ai compris. Voilà, donc en fait ça permet de lisser ou boucler avec précision. Donc ça va jusqu'à 200 degrés. Ça peut être à froid apparemment. J'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai dans un prochain vlog. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, et c'est plus petit que l'autre. Et on peut également les boucler. Donc moi je l'ai pris essentiellement pour boucler les cheveux. J'aime bien de temps en temps faire des petites bouclettes en bas de mes cheveux, donc au niveau des pointes. Donc à tester en tout cas, j'ai trop hâte. Il est pas grand, donc ça prend pas beaucoup de place quand on veut l'amener en voyage. Et je suis trop contente, il est sobre, il y a la marque qui est marquée là. Trop contente, donc ça bah, je vous en dirai des nouvelles dans un prochain vlog. Parce que du coup je ne l'ai pas encore testé. Donc merci également à Remington de m'avoir envoyé ces produits gratuitement. Et merci également à la plateforme Octoly. Donc je suis trop contente. Du coup là je vais... Raphaël qui fait sa life. Du coup là je vais vous tourner mon petit haul action. Ensuite je vais jouer un petit peu avec mon petit cœur. Ce soir mon chéri a l'anniversaire d'un de ses collègues au boulot. Donc il va rentrer plus tard. Donc du coup je suis toute seule avec mon petit cœur. Je vais faire à manger tranquillou. Si Raphaël me laisse tranquille et qu'il est sage, je vais faire un peu de ménage. Parce que c'est crado par terre. Comme hier je vous dis, il a plu, un truc de ouf, il y a des orages. Du coup ça a tout sali la maison. Donc je vais faire un petit peu de ménage. Et je vais peut-être me prendre un bain ce soir quand Raphaël dormira, je ne sais pas encore. Du coup, on se retrouve un peu plus tard. Je pense que je vous retrouverai tout à l'heure pour mes produits terminés. Donc, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve toujours... on est quand? Mercredi. Oh, j'ai très très chaud toujours. Donc, comme je vous disais, mon chéri va rentrer tard. Donc, mon chéri va pas trop tarder. Enfin, je sais pas, il est 21h. J'ai mangé, j'ai fait manger Raphaël, enfin je me suis occupée de lui, etc. Et j'ai fait un petit coup de ménage, j'ai passé l'aspi et la serpie. Mais ça a eu beaucoup de mal à sécher parce que il fait archi moite dehors. Donc ça ne séchait pas. Bref, je voulais vous montrer mes produits terminés, comme ça après ça va à la poube. Et puis j'aime bien faire cette vidéo. Donc je parle pas très fort parce que Raphaël dort à côté et je suis désolée pour la luminosité, mais il faudrait que je me mette dans l'autre sens pour que vous ayez la lumière du jour, parce qu'il fait 20, il est 21h, il fait encore jour, mais là je suis assise sur mon lit, si je me mets de l'autre côté il n'y a rien pour m'asseoir, bref. Du coup, l'eau nettoyante, visage et corps sans rinçage de chez Riva Douce, j'avais vu ça sur le groupe de dons, il en restait pas beaucoup mais assez pour que je teste et que j'adore ce produit. C'est un truc de fou, donc 95% d'origine naturelle. Je m'en sers, en fait, l'eau nettoyante, je m'en sers le matin pour passer un coup sur le visage à Raphaël. Et voilà. Et après manger, enfin... Mais j'adore les eaux nettoyantes. Celle que j'adore, c'est celle de chez Uriage. Et je connaissais pas du tout la marque Riva Douce. Je sais que Mel adore parce qu'elle en parle très souvent. C'est sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans alcool. Et j'adore, donc j'ai regardé un petit peu sur internet. On peut commander sur le site, mais les frais de port, ça me fait un peu chier. Et ils n'en vendent pas dans la pharmacie où je vais. Donc je sais pas trop, mais l'odeur était divine. Donc ça, c'est un produit, oui, que je serais susceptible de racheter. Ensuite, un produit que Mel m'avait offert dans notre swap box. Voilà, le gros cadeau qu'on s'est fait. Donc c'est un gel nettoyant douceur corps et cheveux de chez Topicrème. C'était un 500ml, donc il y avait vraiment de quoi faire. C'est pour toute la famille, hein, bébé, enfant, adulte. Donc je m'en suis servie pour moi essentiellement flacon pompe, très pratique. En ce moment j'ai la peau très sèche, donc c'était parfait comme produit, franchement j'ai adoré. Ça n'a pas une odeur spécialement, ouais ça sent le savon quoi, basique. Mais par contre corps et cheveux je m'en servais que pour le corps, parce que si je mets ça sur mes cheveux c'est même pas la peine, c'est de la paille. Donc j'ai beaucoup aimé, rachèterai, je ne sais pas, en tout cas j'étais contente de le tester, donc merci Mel. Ensuite un shampoing que j'ai également eu sur le groupe de dons, donc de Krapaska. Alors il en reste, mais je sais pas, sous la douche j'ai pas réussi à l'avoir. Donc je m'en servirai pour le prochain shampoing, mais je vous le présente maintenant. Donc c'est de chez Garnier, je pense qu'à force vous savez que j'aime les produits Garnier. Donc là c'était au beurre de cacao et huile de coco, je ne connaissais absolument pas cette gamme là. Donc c'est pour les cheveux rebelles, difficiles à lisser. Donc les miens ne sont pas spécialement rebelles ni difficiles à lisser, mais l'odeur c'était juste une dinguerie. Et c'était un grand format celui-là, il fait 400ml, donc trop contente de le tester. Et si je le recroise, pourquoi pas le racheter.
Ensuite, un petit liniment comme ça des laboratoires Gilbert. Donc ça, j'achète tout le temps cela. Donc là, c'était un petit format de 250 ml pour mettre dans le sac à langer. J'ai le grand flacon pompe pour la maison. Bah là, du coup, ma mère, elle a gardé. Donc je ne lui ai pas donné gros flacon pompe. Il y en a deux comme ça dans le sac à langer. Donc je lui ai dit, tu finis ce qu'il y a dans le sac à langer. Donc voilà, ça c'est génial. Pour nettoyer le petit cul de mon bébé, c'est parfait. Toujours pour Raphaël, des petites lingettes comme ça de chez Leclerc. C'est un petit paquet à mettre dans le sac et c'est très très pratique. Dedans, il y en a 20. Visage et mains, nettoyé et rafraîchi, donc sans alcool, hypoallergénique. Voilà, ça j'ai racheté. C'est très pratique parce que c'est un petit format. J'en ai pas vu en fait d'autres marques petit format, sinon j'aurais pris. Peu importe, c'est pour le débarbouiller quand on est dehors. Et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ensuite, ma fameuse crème pour les mains de chez Evita Citral. Donc c'est le soin velours quotidien, crème hydratante, formule concentrée aux actifs végétaux. Donc c'est au karité, glycérine végétale, huile de pépin, de raisin. Donc là c'était le petit format de 50 ml. Je crois que c'est Lily qui me l'avait offert dans notre swap, pareil. Et bah, j'adore cette crème clairement, que ce soit celle-ci ou la rouge. J'ai une petite préférence pour celle-ci parce qu'elle est quand même moins compacte. L'autre c'est un gel, là c'est une crème. Et voilà, ça c'est magique pour les mains abîmées. Et une autre crème pour les mains que j'ai adoré, c'est de la marque Merci Andy, donc c'est le Hello Sunshine qui sent le monoï. Voilà, c'est juste une tuerie. Le seul bémol, c'est que c'est petit format, ils font 30 ml et du coup ça part vite. Et dedans il y avait des petits grains en fait. Bon là, il y en a plus du tout. Hein. Le truc, je l'ai fini complètement et ça sent trop trop bon. J'adore et j'en ai d'autres à utiliser. Donc je vais tester les autres, on verra bien. Ensuite, un produit pour la maison, donc c'est un Febreze textile, c'était le Lénore Éveil Printanier, je ne le connaissais pas celui-là. J'ai beaucoup aimé, ça je m'en sers pour les tapis, pour un peu tout où la chienne peut aller. D'ailleurs, elle est en train de m'embêter. Elia, non, sors de là. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais c'est une catastrophe. Je suis en train de voir que mes cernes... Oh. Mélanie, il faut que tu dors. Elia, recule. Recule. Ouais, elle est trop chiante en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Pff. Bref, donc Febreze, voilà, j'adore. Des fois, il m'arrive d'acheter la marque Leclerc et je préfère quand même les Febreze, clairement. Donc ça, oui, je rachèterai. Ensuite, bah, tout à l'heure, je l'ai fait tomber, donc c'est pété. Un déodorant anti-transpirant, anti-trace, invisible, efficacité 48 heures pour mon chéri de la marque Leclerc. Je voulais tester, d'habitude, je prends que des Axe ou des marques et je me suis dit, on va tester celui de chez Leclerc. Il a bien aimé, donc là, en ce moment, il est sur du Rexona, je crois. Il aime beaucoup, donc voilà, il n'est pas difficile, ce chéri. Toujours pour Raphaël, des lingettes, donc celles-ci sont mes préférées, mais elles sont vraiment pas données, c'est des Uriage. Il y en a 70 dedans, donc ça c'est pour la maison, pareil, après à manger, pour le débarbouiller, etc. Oui, je pourrais prendre un grand toilette et de l'eau, mais oui, ça c'est plus pratique. Et ça sent tellement bon. J'adore cette gamme-là en fait de chez Uriage pour les bébés. C'est une dinguerie l'odeur. Donc j'ai l'eau nettoyante, le gel douche, le truc, le machin. Et j'adore les lingettes, mais comme je vous dis, elles coûtent une blinde. Ensuite, un petit anti-cerne qui est, mais dans un état, je ne comprends même pas comment il peut être aussi dégueulasse. Il n'y a plus rien écrit dessus, mais je sais que c'est celui de chez Action en teinte fer. Voilà, c'est en stick comme ça. Il est très bien pour 99 centimes, mais je ne le retrouve jamais. Donc, la prochaine fois que je le vois, je ferai le stock. Ensuite, j'ai utilisé une tartelette de chez Yankee Candle, ananas coriandre. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette odeur. Ça sent encore sur le truc quoi. J'ai beaucoup beaucoup aimé et de toute façon de ce temps-là j'aime bien mettre des bougies sucrées, fruitées. Donc voilà. Toujours de chez Rivadouce, donc là c'est un format 1 litre je crois. Ouais c'est ça, 1000 ml. Gel doux lavant, pareil hydratant, sans phénoxythanol, sans blablabla. Pareil, je l'avais eu sur le groupe de dons donc il en restait pas beaucoup mais j'ai adoré ce produit, c'est un truc de ouf. Donc voilà, j'hésite. Est-ce que je fais une commande sur internet ou pas? Je ne sais pas. Mais ça me tente bien quand même. Franchement, les produits Rivadouce, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, deux déodorants. Mon chouchou, hein, je vous le présente à chaque fois, mais c'est toujours le même. Le Invisible, anti-transpirant, anti-trace, sans alcool, de chez Manava. J'aime beaucoup avec le bouchon bleu. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans un précédent vlog, mais ma soeur l'a testé et elle a fait une méga allergie.
Donc il convient pas à tout le monde malgré qu'il soit sans alcool, mais moi je l'adore, il est très efficace et voilà. Le seul bémol c'est qu'il y a des sels d'aluminium à l'intérieur. Et j'avais essayé le Rexona Coton Ultra Dry, Dry and Fresh, Motion Sense là, en petit format. J'ai détesté, alors je ne suis pas du tout asthmatique, mais autant vous dire que quand je mets ça le matin dans la salle de bain, je suis en mode suffocation. Je suffoque quoi, j'arrive plus à respirer, c'est une catastrophe. J'ai l'impression de manger le déo en fait, d'avoir le goût du déo dans la bouche. C'est horrible et j'avais acheté un lot de deux malheureusement, donc j'en ai un autre à terminer. Mais je fais une pause là parce que je... Non, 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 non. Après son efficacité, je dis pas, mais l'odeur, c'est pas possible. Ensuite, un shampoing de chez Vela, donc c'était le Fusion Intense Repair Shampoing, 250 ml. Donc ça, ma soeur me l'a offert à Noël. C'est un shampoing professionnel. En fait, avec ma soeur, on aime bien s'acheter un gros cadeau et plein de petits trucs à côté. Et du coup, elle m'avait offert ça. J'ai beaucoup aimé, mais il me graissait les cheveux, j'avais l'impression. Mais voilà, je pense pas que je le rachèterai parce que déjà, ça coûte une blinde. Et comme je vous dis, il me graissait les cheveux. Donc, merci ma puce de me l'avoir offert. En tout cas, j'aurais testé. Ensuite, toujours, voilà, de chez Uriage pour Raphaël, la crème lavante, visage, corps, cuir, chevelu. Donc ça, c'est pour laver. Après, le format comme ça, c'est pas du tout pratique. Mais ça sent très très bon. Donc ça, oui, je le rachète tout le temps. Alors après, une petite brume de chez quoi ? Body Fantasy. Donc c'était au pamplemousse. J'adore l'odeur du pamplemousse. C'était un tout petit format, hein, 94 ml. Je l'avais trouvé sur Maquilalia. Vous voyez, il reste un tout petit fond, mais quand je pchite, ça sort pas. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je crois que j'en ai d'autres comme ça de chez Beauty Fantasy. J'aime beaucoup et j'avais payé ça une misère. Donc ça, je vous les recommande à 1000%. Un autre produit que j'ai eu sur le groupe de dons, donc vous voyez, on a quand même des choses ouf quand même sur le groupe de dons, enfin des trucs cosmétiques et tout. Donc c'était un masque réparateur moelle de bambou et cœur de cupuaçu, je sais pas ce que c'est, pour les cheveux secs. Donc c'est bio, Sarah, une pensée pour toi, elle va me tuer. Donc c'est un format de 200 ml, il sentait très très bon, il restait peut-être la moitié dedans. Quand je l'ai eu, par contre, il me graissait les cheveux, un truc de ouf. Je pense que c'est vraiment pour les cheveux, voilà, cheveux secs, hein, c'est marqué. Mais en ce moment, j'ai des pointes sèches, donc je m'étais dit ça sera cool, sauf que ça m'a vraiment graissé les cheveux. Donc je ne rachèterai pas, mais j'étais contente de tester parce que j'avais jamais testé les produits de la marque Cartier pour les cheveux. Pour les cheveux. Et là, j'allais me coucher. C'est quoi ça? Donc voilà, je suis contente d'avoir testé, mais du coup, je ne rachèterai pas. Ensuite des cotons-tiges, bah d'ailleurs il en reste un dedans, de chez Primark, je sais pas pourquoi je vous ai mis ça, ma foi, 1€, on peut les trouver moins chers ailleurs, mais ils étaient très bien, donc ça, oui, je rachèterai. Alors après on a un shampoing de chez Bioderma, c'est fluide non détergent, 200 ml pour tout type de cheveux, donc ça c'est Lily qui me l'avait offert. Je sais que Mel et même Lily, je crois, les avaient testés et avaient dit que c'était très liquide. Effectivement, je sais pas si vous allez voir avec ce qui reste, c'est de l'eau. C'est clairement de l'eau. C'est très très spécial à utiliser. Ça, j'aimais pas trop l'odeur. Pourtant, j'aime beaucoup les produits du Bioderma, mais pour le coup, cette gamme-là, j'étais pas fan quoi. Ça a pas fait de merveille sur mes cheveux. Je l'ai fait utiliser à mon chéri et pareil, il m'a dit ça me sèche les cheveux. Donc ça, enfin ça m'assèche les cheveux parce que ça me les sèche. Ce serait bien qu'un shampoing puisse en même temps sécher les cheveux. Mais pour l'instant, je ne connais pas. Donc respecte l'équipe Calipère. Putain. Bon, capillaire, vous m'avez compris. Brillance et souplesse. Donc ça, je ne rachèterai pas. Mais pareil, j'étais contente de tester. Donc merci Lily. Un autre produit que je ne rachèterai pas, je vous le dis direct, c'est la gomme lavante exfoliante à la coco de chez Sephora. Je l'avais eu en promo, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez également voir le calcaire qui est en Seine-et-Marne. Merci beaucoup. J'ai pas du tout aimé. La texture, bah, c'était vraiment une gomme, quoi. Mais moi qui adore les gommages, il y avait plein de petits grains, vous voyez, c'était cool. Mais c'était vraiment une pâte, quoi, une espèce de gomme trop chelou, pas du tout agréable à utiliser. Donc ça, je ne rachèterai pas. Un masque, en ce moment je ne prends absolument pas le temps de m'occuper de ma peau, donc j'ai des boutons, enfin, c'est une catastrophe, mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc je vais essayer de prendre le temps de m'occuper un petit peu de moi. Donc la dernière fois j'ai quand même pris le temps de me faire un petit masque à l'avocat et extrait de collagène de chez Action. Je les aime beaucoup, c'est des petits masques en tissu,
on pose ça, j'ai fait peur à mon fils, tout va bien. On pose ça à 20-30 minutes, hop hop, on l'enlève, ça a un effet frais. Après, ça ne m'a pas, ça fait pas non plus un effet miraculeux, hein, faut pas se mentir. Et j'avais également fait ceci, alors là carrément je les ai laissés en mode dégueulasse. C'est des petits patchs que j'avais achetés sur AliExpress pour les yeux, c'était quoi, collagène, genre à l'or et tout, enfin vous voyez le truc quoi. Ça se présente comme ceci. Non mais j'ai adoré ce produit. Je crois qu'il y en avait 10 dedans. J'ai adoré. Donc ça, ça je rachèterai. Mais pour l'instant j'en ai encore à utiliser. Mais c'était très efficace. Et pour terminer, il me reste deux produits. Il me reste deux produits make-up, on va dire. Donc un baume à lèvres de chez Bioderma, de la gamme Atoderme. Ça j'adore. Clairement, ma mère s'en était pris à la pharmacie et elle m'en avait donné un parce que c'était un lot et je n'arrive plus à m'en passer. J'étais en racheter, je m'étais dit, vas-y, ça va être au moins 6 balles le baume à lèvres. Et non, 3,99 les 3. Bon, il est tombé, mais vous avez vu, c'était lequel. Donc ça, c'est vraiment pas cher et il est d'une efficacité, l'odeur, enfin tout, je suis totalement fan. Donc pour l'instant, j'ai un peu délaissé ceux que j'aimais bien de chez Leclerc. Parce que ceux-là, pour le coup, ils sont vraiment top et moi, j'ai un toc avec le baume à lèvres, je suis tout le temps en train d'en mettre, je ne supporte pas ne rien avoir sur les lèvres. Donc dès que j'en ai pas, j'en mets. Donc ce qui fait que je dois en mettre environ au moins 50 fois par jour et je vous jure que j'exagère pas, hein, franchement. Et j'ai terminé un petit mascara comme ça en miniature de chez Too Faced, donc c'est le Better Than Sex. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup beaucoup la brosse. Je vous avoue qu'en ce moment je suis un peu à la recherche du mascara parfait. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des mascaras à me conseiller qui ne me fait pas des yeux de panda en fin de journée. Vous voyez là j'ai encore ça plus les cernes, c'est cadeau les gars. Là j'en ai acheté pendant les promos beauté le... je sais pas quoi là, bah, j'ai fait une vidéo. Donc si vous voulez savoir, regardez la vidéo. Non, c'est le, je sais plus, Big Shot, je sais pas quoi. Ça fait un truc comme ça. Il est bien, mais voilà, j'ai encore des trucs noirs. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne du waterproof? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et moi, j'ai des cils à la con, ils sont droits, ils sont pas spécialement longs. Donc, enfin, vous voyez, ça va avec le mascara, j'arrive quand même à faire un truc. Mais enfin, là, c'est, je vous dis, il est 21h15, hein, donc voilà. Mais ça, j'aime bien. Donc, peut-être essayer celui-ci en waterproof. Et je sais qu'il est sorti, donc à voir. Donc voilà pour mes produits terminés. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé les produits que je vous ai montrés, si vous les aimez ou pas. Je rappelle que c'est mon avis personnel, donc je peux aimer des produits que vous n'aimez pas et vous pouvez ne pas aimer des produits que je n'aime pas. Bref, vous m'avez compris. Je vais aller me démaquiller et je vais aller me passer la lotion de chez Yves Rocher que j'ai reçue. Que j'adore, je vous l'ai déjà présentée, mais je la kiffe, elle a un effet, mais oh, j'adore l'odeur, carrément, quand je me démaquille, j'ai trop hâte de me la mettre, c'est un truc de ouf, c'est trop agréable de kiffer autant des produits. Me mettre en pyjama et m'allonger et regarder les vidéos des copines, je vais peut-être bouquiner un petit peu et me poser, voilà, en plus c'est pas tard, donc ça c'est le kiff. Mon petit cœur dort profondément, regardez-moi ce petit cul d'amour, oui, on le voit à l'envers, c'est normal. Je l'ai mis en body parce que franchement il fait trop chaud. Donc là il dort profondément. D'ailleurs je lui ai enlevé son tour de lit. Il l'a gardé jusqu'à tard mais je crois que je vous l'ai déjà dit en fait. Dites-moi si vous aviez des tours de lit pour vos enfants et à quel âge vous les avez enlevés. Parce que jusqu'à maintenant je lui mettais mais ça ne servait à rien parce qu'il s'allongeait dessus. Donc le truc se mettait en boudin. Mais le côté pratique que je n'avais pas pensé c'est que tout à l'heure il a pleuré parce que son doudou était tombé entre les barreaux. Donc voilà, c'est un peu chiant. Et avec le tour de lit, le doudou ne tombait pas entre les barreaux. Donc est-ce que je mets vraiment les tours de lit dans les boîtes au grenier ou est-ce que j'en garde quand même pour lui remettre? Je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Aidez-moi là-dessus. Et puis je voulais tourner un haul AliExpress parce que j'ai reçu pas mal de trucs top top top. Mais là, j'ai pas la foi. Je suis morte de fatigue. Et tourner une vidéo avec cette gueule-là, voilà quoi. Enfin, je suis en train de le faire, mais bon... Donc, je pense que je vous retrouverai demain si j'ai des choses intéressantes à vous dire. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous.